Bonjour, monsieur le maire. Ta place est là-bas. Encore maire pour quelques minutes, Bernard Poignant. Et avant de procéder au vote pour l'élection de son successeur, celui qui a été à la tête de la capitale finistérienne pendant 3 mandats, s'exprime pour la première fois depuis la défaite de dimanche dernier. Ce dimanche 6 avril 2014 ouvre le temps d'une nouvelle mandature qui s'achèvera au printemps 2020. Ce dimanche 6 avril 2014 correspond à un moment de l'alternance démocratique dans notre ville. Quelques mots de remerciement, bien sûr, mais pas un commentaire sur la défaite. Bernard Poignant rejoint son siège de leader de l'opposition sans un mot. Il n'en dira pas plus aujourd'hui. Merci beaucoup. Avec 38 voix sur 45, Ludovic Jolivet est désormais le nouveau maire de Quimper. Un maire qui affiche ses ambitions pour cette mandature. Ma seule envie, c'est la santé économique de Quimper et de sa communauté. Avec priorité, l'emploi et l'investissement. Une autre vision pour Quimper, même si le nouvel élu n'oublie pas le poids politique de son prédécesseur. On n'efface pas 40 ans de vie politique de Bernard Poignant. Je suis à nouveau, un petit peu, même si j'ai une petite expérience de ce qu'est la fonction publique, enfin l'administration et puis d'être élu. Donc ça se passera très bien. Les deux hommes vont désormais se faire face. Reste à savoir si les intentions de bonne conduite d'aujourd'hui peuvent tenir durant les 6 prochaines années.